Le grand Warren Buffett a dit un jour, le meilleur moyen de s'enrichir, c'est d'investir. Et on peut voir tout ce que le bon vieux Warren avait raison. 40 ans après, il est multimilliardaire. Bref, je ne suis pas là pour vous parler du grand Warren. Nous sommes là pour parler d'une nouvelle plateforme d'investissement financier. Sérieux. Et cette plateforme est la meilleure qui existe sur le marché. Pourquoi? Non, ce n'est pas parce que cette plateforme a un taux d'intérêt dingue. Non. C'est parce que cette plateforme est agréée. C'est une plateforme légitime, légale, reconnue de tous. C'est une plateforme qui a comme partenaire Coinbase, Binance, Tron, etc., etc. Et qui est surveillée de près par le gendarme de la bourse. Donc, sérieux, si tu mets ton investissement ici, dors tranquille. Lorsque tu comprends qu'une plateforme est surveillée par le gendarme de la bourse, ils même y savent. Aux États-Unis, ça ne blague pas en ce qui concerne le marché financier. Bienvenue sur ma chaîne. Moi, je suis Eric Arizona, celui-là qui vous aide non seulement à gagner de l'argent en ligne, mais à développer ton audience. Donc, si tu es intéressé, abonne-toi et like la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos, mon frère. Parce que ici, juste avec ton téléphone, tu auras accès à cette plateforme et tu vas commencer à investir. Lorsque je parle d'investissement ici, je ne parle pas des sommes folles. Juste avec 10 euros, tu es capable d'investir sur cette plateforme. Petite annonce. Ceux qui souhaitent développer leur audience en ligne, avoir des vues, des abonnés et pouvoir vivre, le lien de notre room Clubhouse est en bas de la description. Et non seulement aussi toutes les informations que nous allons parler en ce qui concerne cette plateforme, vous allez remarquer, il y aurait toutes les informations en bas de la description. Donc, tu vas juste aller là, en bas de la description, chercher ce qui t'intéresse, soit tu veux le groupe Telegram, soit tu veux t'enregistrer, soit tu veux utiliser le code de discount, soit tu veux bénéficier jusqu'à 3$ juste pour t'enregistrer. Le lien est en bas de la description. Et si tu es débutant, là je vais parler en tant que débutant. Imaginons que tu débutes en bourse, imaginons que tu débutes en investissement et là tu ne connais rien. Sache la première chose que cette plateforme utilise des cryptos pour recharger. Pourquoi? Parce que c'est le nouveau monde. Vous savez, ce sont des plateformes d'investissement. Donc, ils spéculent aussi. Donc, en utilisant des cryptos, ils se disent que non, mieux vaut investir dans les cryptos aujourd'hui parce que peut-être demain, les cryptos peuvent valoir plus. Par exemple, ça peut augmenter ou bien ça peut chuter. Normalement, ce sont des spéculateurs et c'est leur problème. À noter, petit disclaimer, je ne suis pas un conseiller en investissement. Tout ce que vous allez remarquer ici, toutes les informations, vous allez devoir vérifier ces informations avant d'investir. Investir comporte des risques et investir comporte aussi des grands bénéfices. Donc, tout dépend de toi. Et la première chose à faire, si tu veux utiliser cette plateforme, c'est de télécharger d'abord au préalable ce qu'on appelle un wallet. Un wallet, pourquoi? Parce que, comme j'ai dit, cette plateforme utilise des cryptos pour recharger et pour faire des retraits. Et comme wallet, je te propose d'abord ce wallet. Trust Wallet. Pourquoi Trust? Trust Wallet est un wallet qui est en collaboration, en partenariat avec Binance. Donc, si tu gagnes de l'argent ici à Trust Wallet, t'inquiète pas, avec Binance, tu vas pouvoir retirer. Peu importe où tu te trouves sur le monde, Binance est la plus grande plateforme en ce qui concerne d'échanges. Donc, tu vas juste me télécharger Binance. Lorsque tu télécharges Binance et tu me télécharges aussi Trust Wallet, grâce à Trust Wallet, tu vas commencer à pouvoir déposer de l'argent via ton compte. Et la deuxième chose que tu as à faire, c'est de cliquer sur le lien qui est en bas de la description. Lorsque tu vas cliquer sur mon lien qui est en bas de la description, tu vas arriver sur cette page. Donc, tu vas arriver sur leur site. Et sur leur site, tu dois ouvrir un compte. Pour ouvrir un compte, c'est tellement facile. C'est facile comme A et B. Donc, tu vas juste mettre ton adresse email. Tu crées un mot de passe et tu confirmes le mot de passe. C'est tout. Là, moi, tu peux remarquer que moi, j'ai déjà un compte. Donc, je vais juste me connecter avec mon compte. Lorsque tu te connectes avec le compte, tu vas remarquer que si tu as utilisé mon lien, tu as déjà 3$ sur la plateforme en question. Si tu utilises mon lien, tu as 3$ d'office. Et lorsque tu as tes 3$, tu peux remarquer que ça va juste s'afficher là. Et la première des choses à faire, c'est de faire ce qu'on appelle un dépôt. Là, tu vas venir ici en bas, tu vas remarquer qu'il y a dépôt ou bien retrait. Puisque tu veux investir, donc il faut d'abord au préalable que tu fasses un dépôt. Et pour faire un dépôt, c'est très facile aussi, donc ne t'inquiète pas. Mon gars, like-moi cette vidéo si tu es en train de kiffer. Donc pour faire un dépôt, tu vas juste venir ici sur ton téléphone et là, tu vas juste appuyer sur dépôt. Lorsque tu appuies là, dépôt, tu vas remarquer quelque chose. Tu vas remarquer que là, automatiquement, on va te générer ce qu'on appelle un QR code. Mais le plus important, c'est de copier l'adresse juste ici en bas. Tu vas me copier cette adresse, tu appuies. Copier l'adresse. Et maintenant, on se rend
sur ce qu'on appelle nos co-wallet. Rappelez-vous, au début, on a installé un wallet, Trust Wallet. Donc, on va juste venir maintenant sur Trust Wallet. Qu'est-ce qu'on va faire? On va entrer à Trust Wallet. Lorsqu'on entre à Trust Wallet, on s'identifie, on met son mot de passe, etc. Et là, cette application utilise ce qu'on appelle le Tron 20, donc Tether, c'est sa monnaie. On va juste venir ici sur notre Trust Wallet et on va appuyer là, Trust Wallet. On va dire envoyer de l'argent. Donc, on clique sur envoyer et ici, adresse du destinateur, on va juste coller l'adresse qu'on a copiée là-bas. Donc, on colle là et ici en bas, on met le montant. Les gars, c'est tellement facile. Lorsqu'on met par exemple le montant ici et on doit juste valider. Donc, par exemple là, je vais m'envoyer par exemple 12$ et je dois juste valider. Lorsque c'est fait, directement, ils vont créditer mon compte de l'autre côté. Sérieux. Pour les retraits, c'est la même chose. Si vous voulez retirer de l'argent, vous allez juste venir ici, appuyer retrait. Vous allez accepter. La première chose, lorsque vous n'avez jamais retiré de l'argent, vous devez d'abord créer un nouveau mot de passe. Vous confirmez le mot de passe. Lorsque vous avez fait ça, vous faites la même chose, le même truc. Vous prenez votre adresse ici, vous allez dans votre wallet, Trust Wallet. Si ici, vous voulez retirer le retrait, donc vous allez partir à wallet là-bas, vous allez appuyer sur Withdrawal. Alors que ici, vous appuyez sur déposer. Donc, c'est l'inverse. Lorsque vous voulez, par exemple, faire le dépôt, vous venez ici là, vous appuyez sur dépôt. Là-bas, vous allez appuyer recevoir. Donc, c'est l'inverse. C'est la première des choses qu'il faut surtout comprendre lorsque vous arrivez dans ces genres de plateformes, surtout les plateformes d'investissement. Mais encore ici, il y a des possibilités encore de vous faire l'argent. Comment? Vous pouvez créer votre propre équipe. Vous savez, lorsque vous allez ouvrir votre propre compte en utilisant mon code, automatiquement, vous-même, vous aurez la possibilité d'inviter des personnes et vous allez pouvoir créer votre propre équipe. Si vous connaissez que non, vous connaissez un ami ou bien des membres de votre famille qui connaissent vraiment, qui veulent investir, vous pouvez les parrainer. Et le fait qu'ils soient parrainés, vous allez commencer aussi, vous aussi, à gagner de l'argent derrière ça. Mais le plus important ici, c'est ce qu'on appelle le plan d'investissement parce que c'est ça que la majorité des gens ne comprennent pas. Le plan d'investissement, vous allez voir certaines personnes qui ont pris des plans d'investissement, par exemple, de 5 jours, mais à moins de 2 jours, il veut retirer son argent et ensuite, il vient dire non, c'est du scam. Tout dépend du plan d'investissement que vous avez choisi. Admettons que vous avez choisi, par exemple, un plan d'investissement qui prend 30 jours. Vous ne pouvez pas retirer votre argent à moins que votre plan d'investissement soit expiré. Donc, il faut absolument que le plan d'investissement que vous avez choisi atteigne le nombre exact de jours. Donc, je prends le plan d'investissement de 5 jours. Il faut actuellement que les 5 jours puissent être dépassés avant de pouvoir retirer ma mise au total. Mais chaque jour, je commence à gagner ce qu'on appelle le taux d'intérêt. Donc, si j'ai pris un plan d'investissement, par exemple, de 7 jours, il y a chaque plan d'investissement ce qu'on appelle un taux d'intérêt. Donc, en 7 jours, chaque jour, par exemple, mon taux d'intérêt peut être de 1%, de 2%, de 3%. Donc, tout dépend. Et si tu veux choisir un plan d'investissement ici, tu vas juste venir ici en bas à investir. Lorsque tu cliques sur investir, directement, tu vas remarquer les différents plans d'investissement. Il y a un plan d'investissement pour un seul jour. Ça veut dire que tu mets ton argent à un seul jour. Le lendemain, tu peux le retirer, même avec ta mise totale. Et le plan d'investissement pour un seul jour commence à 10$. Donc, 10 USDT, donc près de 10$. Et ça va jusqu'à 1500$. Et tu vas voir que ton taux d'intérêt quotidien, c'est de 2,5. Je mets 15 000$. Je mets 1500$, par exemple, au maximum pour un seul jour. Et je calcule mon taux d'intérêt de 2,5 sur les 1500$. Ça veut dire que, par exemple, ici, j'ai mis 1500$. Je peux avoir un truc comme 1550$. À 1600$, donc 50$ ou bien 100$ chaque jour. Vous imaginez? En tout cas, vous, je sais que parmi vous, il y a des gars qui sont forts en mathématiques et vous allez mieux faire ça pour nous. Donc, c'est ça le problème ici, c'est le plan d'investissement. Admettons encore, par exemple, ici, que je viens ici et je me dis, bon, je veux un peu un plan d'investissement un peu plus grand. Parce que plus le plan d'investissement est long, plus le taux d'intérêt aussi est considérable et plus vous allez pouvoir gagner de l'argent. Donc, ces gens veulent les gens qui sont prêts à prendre, par exemple, à prendre les plans d'investissement, par exemple, de 2 mois. Si vous prenez un plan d'investissement de 2 mois, vous allez voir que votre taux d'intérêt
est haut. Parce qu'en 2 mois, ils savent que non, ils ont le temps pour pouvoir réellement travailler avec votre argent. Le plan d'investissement, par exemple, là, on va voir un plan d'investissement de 5 jours. En 5 jours, vous allez voir que le taux d'intérêt est de 3,5. Et vous allez voir que minimum, montant minimum, c'est 15. Et montant maximum, c'est 2500. Plan d'investissement de 7 jours, vous allez voir que le taux d'intérêt, c'est 4. Montant minimum pour investir, c'est 20 $. Montant maximum, c'est 3500. Donc, il faut connaître le montant minimum et 3500. Et le plan d'investissement, ça, c'est en 7 jours. C'est le 8e jour que tu peux retirer ta mise totale. Mais chaque jour, tu commences à gagner le taux d'intérêt. Le plan d'investissement numéro 15, donc 15 jours, vous allez voir que le taux d'intérêt, c'est 5. Et vous allez remarquer, si le montant minimum d'investissement, c'est 50. Et vous allez voir maximum 7500. Plus le plan, les jours augmentent, plus le taux d'intérêt augmente. Parce qu'ils savent qu'ils ont la marge de faire le profit. Plan d'investissement numéro 30, donc 30 jours. Vous allez voir que votre taux d'intérêt grimpe ici à 6,5. Donc, mise d'entrée, vous allez voir que c'est 300. Maximum 5000. Taux d'intérêt quotidien 19,5 USDT. Donc, chaque jour, tu te fais 19,$. Avec le plan d'investissement 30 jours. Donc, tu te fais près de 20$ chaque jour en automatique. Après le 30 jours, tu peux retirer, soit tu réinvestis, soit, mais à chaque jour, tu commences à gagner 19,5 USDT. Plan 60 jours, taux d'intérêt 8. Minimum d'entrée 600. Maximum 9000. Quotidien, près de 50 USDT, donc 48. Plan d'investissement en 90 jours, taux d'intérêt 9,9, donc près de 10%, maximum, minimum d'entrée 1000, maximum 20 000, donc 200 000. Putain, revenu quotidien, $100 chaque jour avec le plan d'investissement en 90 jours. Plan d'investissement en, on va voir 180 jours. Taux d'intérêt 12, minimum 10 000, maximum 80 000, donc 800 000 par exemple. Revenu quotidien 1200 USDT, ça c'est le plan d'investissement en 180 jours. Plan d'investissement en 300 jours, donc près de 6 mois, taux d'intérêt c'est 15. Revenu quotidien 2250 USDT. Mise d'entrée, 1500. Maximum, 1000 entrées, 15 000. Maximum, près de 1 200 USDT. Et tu te fais 2250 chaque jour. Vous allez voir que cette plateforme, comme je l'ai dit, est parrainée, est sponsorisée à des partenaires comme Coinbase. On connaît tous Coinbase, la plus grosse marketplace. Vous connaissez Coinbase. Il y a Binance. Il y a Tron. Et je vous dis que cette plateforme est suivie par les gendarmes de la bourse. Si ces gens essayent de faire quelque chose qui n'est pas légal, eux-mêmes ils connaissent. Il n'y a rien de plus pire que le gendarme de la bourse. Toutes les informations que tu as besoin, le code de parrainage, donc c'est en bas de la description. Tu as juste à cliquer et directement, tu vas être redirigé ici, mon frère. Je dis bien directement, tu vas être redirigé ici. Et lorsque tu es là, tu connais le procédé, tu ouvres un compte, tu fais un dépôt, tu peux déjà faire aussi un retrait. C'est très, très facile. Je dis bien très, très facile. À toi de décider. Soit tu veux être riche, soit tu veux voir des gens s'enrichir. Big up.